Hier, le député marnais Charles de Courson s'est exprimé sur notre antenne au sujet de la réforme des retraites et de son vote sur la motion de censure. Aujourd'hui, le sénateur de la Meuse, Gérard Longuet, a aussi tenu à s'exprimer au sujet de cette réforme. Écoutez. Il faudrait que ces gens soient d'accord pour faire la même chose. Or, entre M. de Courson, M. Mélenchon ou Mme Le Pen, c'est pas du tout le même projet. Donc voilà des gens qui ne veulent pas les mêmes choses, qui ne veulent pas les mêmes solutions, qui sont en réalité opposés les uns ou les autres. La seule chose qu'ils aient en commun, c'est de ne pas vouloir soutenir ce projet. Les manifestants, ça existe, il faut les respecter quand ils sont respectables même. Quand je vois à Bar-le-Duc 2000 manifestants qui sont calmes, je me dis, bon, les gens ne sont pas d'accord, je sais qu'ils ne sont pas d'accord. Simplement, il y a un moment où l'homme de responsabilité publique ne doit pas mentir. Si nous ne faisons pas de réforme, pas pour ma génération, mais pour la vôtre, les retraites ne pourront être payées qu'avec une diminution du pouvoir d'achat qui sera spectaculaire. Et une grève nationale est prévue demain. Vous retrouverez les différentes actions menées dans le Triangle sur notre site internet et notre application mobile.